tell you the truth, I wouldn't want to be doing anything else other than railroad. There's a really good bond between the workers. They're dedicated. They're just railway all the way. The scope is tremendous. You are proud of working for CP Rail. Loyalty is a big part of it. The voices of men and women of CP Rail. People talking about the railway and their fellow employees. Their words became our radio commercials. Their feelings became our music. Music capturing the size, power, and drama of railroading. Like the music, the lyrics were inspired by the people of CP Rail, a song that celebrates a sense of tradition, the satisfaction that flows from doing a good job, a feeling of loyalty among CP Rail employees. Most people have a fondness deep in their soul for the railway. I'm proud I'm working for CP Rail. There's never been a minute that I haven't liked my job. I don't know, it's something in my blood, you know. I just feel a sensation, you know, when you see that train going. I'm your old Casey Jones. My heart is on the road. It's a disease being a railroader. It's something you get and you never lose. You enjoy CP Rail and you'll stay with them until the last dog is hung. You gotta be crazy to be a railroader. It takes a lot of learning. You have to be tough. I'm proud of the fact that I'm working for the railroad. Once it gets in your blood, it's pretty hard to shake it. When I was still a young man, my father said, "My son, there's a thousand jobs in this whole land, but the steel wheel's in your blood." Now I have felt the spirit of a thousand railway songs, every single lyric is where my heart belongs. I'm a CP Railway man, and like my father before me, I am heavy load down underneath Bennett Road. I'm a CP Railway man, CP Rail, helping Canada move forward. Our song and the voices of our people became CP Rail's theme, helping Canada move forward. CP Rail really has an important part to play in the development of the Canadian economy. I think the potential's there to almost limitless. We're certainly one of the most innovative railways in North America. If there is one Canadian company that is known in the other areas of the world, it's CP Rail. The customer, if he has a good, solid future, so do we. It's the best job in the world. If I had to do it over again, I'd do it for nothing. I wouldn't take any pay. Railroading is a good family. We've got a lot of good people coming into CP Rail. It's a people-oriented company. You know, the phrase of what they call a company man. You can be a good union man and a good company man and a great employee. What the hell's the difference? I think it's the finest company in Canada. Well, I love this company. It's my family here. It's the people. It's the people. A tribute to the people who make the real difference between being a good railway and a great one. A railway that truly helps Canada move forward. Plus important, ce que CP Rail m'a amené à moi directement, c'est un sens d'appartenance, de faire partie
toute l'équipe et non pas seulement d'être un numéro. À CPRI, chaque employé a son numéro d'employé, mais on sait parfaitement aussi qu'on a un nom. Alors j'ai toujours aimé le chemin fer. CPRI, c'est ni plus ni moins, c'est comme ma vie. On est mariés avec le Canadien Pacifique. Je me suis marié en 69 à CPRI. J'espère aussi qu'il n'y aura pas de divorce avant ma pension. Je suis dans ma 37e année de service avec CPRI. Alors, ça prouve un fait qu'on a été satisfait. De fier de travailler au Canadien Pacifique. Les employés de CPRI sont fiers de parler de leur chemin de fer. Ils sentent en eux-mêmes qu'en poussant tous à la roue, c'est le Canada tout entier qui va de l'avant avec eux. Notre musique s'inspire de leurs témoignages pour tenter de traduire ce qui fait vibrer l'âme de tout cheminot. Et ce sont aussi leurs témoignages qui ont inspiré ce qui est devenu par le fait même un hymne à la tradition, aux grands horizons, à l'amour du travail bien fait, à l'esprit de camaraderie et à la loyauté qui regroupe tous les employés de CPRI. C'est un fait que vous allez trouver peut-être dans les centres, où les centres ferroviaires ou les centres de CPRI sont en existence depuis nombreuses années. Ça va de père en fils, souvent. J'ai mon père qui travaille au service intermodaux, puis mon grand-père travaillait à la place Vigée, était comptable. Et mon grand-grand-père, il était ingénieur. C'est connu d'ailleurs que CP, c'est une compagnie de famille. C'est une famille parce que finalement, on a tous le même objectif. Parce que quand on rencontre des gens de chemin de fer, oups, là, tout de suite, on voit qu'il y a quelque chose qui clique. Lorsqu'il y avait des réunions de famille, ce dont on entendait parler du chemin de fer. Parce qu'effectivement, on en mange du chemin de fer souvent. Mon père était opérateur télégraphiste dans le temps. Et puis, par la suite, agent de station. Et c'est là que, probablement, que j'avais le sang de cheminot dans les rues. C'était encore haut comme ça. Mon père m'a dit, mon gars, de tous les métiers que tu peux faire, le plus beau, c'est le chemin de fer. Aujourd'hui, je sais pour de bon, mon père avait raison. Je ne changerai pas pour rien sur terre, je fais ce que je préfère. Employé de CPRI, chez nous, c'est la tradition. Je suis fier d'accomplir un travail qui m'ouvre grand les horizons. Employé de CPRI, CPRI. Cette musique, ces paroles, cet hymne porté par le souffle de ces 30 000 employés, c'est le message que CPRI a voulu adresser à 25 millions de Canadiens. Je crois que le but premier est de donner la clientèle, c'est un service. Une multitude de services que CPRI fournissent à différents expéditeurs. On a l'impression vraiment de rendre service à la population en ce moment-là. C'est une compagnie qui a des reins solides. Une compagnie progressive. C'est une grosse entreprise. CPRI, c'est ça. Ça ne s'est pas construit en un jour. Paris non plus, d'ailleurs. Ça a pris 100 ans. Je crois que le CP devrait être encore en existence un autre 100 ans. Bon, on planifie déjà l'avenir. On se demande quel va être le chemin de fer de l'an 2000, et puis pas seulement le chemin de fer de l'an 2000, mais le transport de l'an 2000. Même si c'est un temps comme un genre de crise, le Canadien Pacifique va de l'avant. CPRI va de l'avant avec ses employés. Et ce sont eux, hommes et femmes, qui ont fait de CPRI cette très grande compagnie ferroviaire avec laquelle le Canada, lui aussi, va de l'avant. CPRI. CPRI. Avec nous, le Canada va de l'avant.